Manuel Carvalho, je suis le directeur de l'unité mobile de premier secours. Aujourd'hui, c'est le passage de la flamme olympique sur le département de l'Essonne et l'UMPS 91 met un dispositif hors norme. Ce dispositif va se composer en multisite. On va mettre en place différents détachements, notamment sur la commune de Palaiseau, Marcoussis, Dourdan et Montgeron. Tous les dispositifs sont totalement imbriqués et travaillent dans le cadre d'une organisation pyramidale. On a mis en place un poste de commandement mobile dont le but est de recueillir l'ensemble des informations du terrain. Ces informations, elles sont traitées, elles sont transmises auprès des autorités départementales, notamment au COD, où on peut leur donner à l'instant T le nombre d'interventions réalisées par les équipes. On va aller par là-bas. Voilà, c'est fait. Hop, c'est piqué. Les 90 villes de sable. Le CA, ça te brûle? C'est un peu sableux au niveau du bras. Et après, on voit. Pas longtemps, c'est pas très clair, c'est la première fois que ça lui arrive. Au niveau des constantes, tout est correct. Et là, je suis en train de prendre également en charge en même temps une personne qui vient faire malaise sur le village olympique également. Moi c'est Raphaël, aujourd'hui je suis opérateur PC pour l'UMPS 91. Mon rôle aujourd'hui c'est de mettre à jour l'outil PC en permanence. On a plusieurs tableaux ici qui nous permettent de reporter toutes les situations et la disponibilité des véhicules pour que le chef de poste ait une physionomie générale de son dispositif. Manu du chef de poste. Oui, mon père. À titre d'information, la flamme se dirige vers vous. France météo. C'est reçu, chef de poste. On est à quel niveau? Allons-y, même. Chef de poste Montgeron, chef de poste Montgeron pour PC03. PC03, transmettez. Pour information, on a eu la localisation de la flamme olympique. Elle devrait arriver sur votre secteur d'ici une dizaine de minutes. Événement exceptionnel, moyen exceptionnel. C'est pour ça qu'on a mis en place une main courante informatique de façon à ce que les informations sont croisées très rapidement et centralisées par le poste de commandement. Alors ça a bien fonctionné pour une première. Ça nous a permis d'avoir des statistiques interventionnelles assez rapides. Pour nous, c'est un indicateur qui nous alerte que ce site peut avoir besoin d'un renfort. Donc une mise en préalerte et toute une anticipation derrière. La flamme olympique est enfin passée sur la commune de Dourdan. Il y a quand même une foule qui est assez conséquente, qui est assez compacte. Donc on reste vigilant sur l'ensemble du dispositif tout de même. Là, ça te fait pas mal. Non, ici ça te fait pas mal. Non. Et là Star Academy il n'y a pas longtemps. Oh. Elle est en folie. Ouais, elle a fait le karaté. Te demander l'autre main, il faut que je mette ça sur le bout du doigt. L'appareil il fait du bruit. Est-ce que le bruit tu veux que je l'enlève ou pas? Non, tu veux non pas. C'est bon. Ouais, elle avait envie de dormir, mais là. C'est...